Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 20 mai à l'aube d'un long congé de 3 jours pour l'équipe de CMA-TV. On va le prendre avec plaisir quand on a une petite journée de congé. Ça fait du bien. José Soutier, bon matin. Bon matin. Tu peux être certain que lundi, je ne serai pas là, comme j'ai déjà fait jadis, là, me préparer pour l'émission. Finalement, il n'y a personne. Je suis seul. Là. Non, là, lundi, je le sais, je vais être en congé. José, fort occupé cette semaine parce qu'il y avait, et justement, hier, tu étais absent parce qu'il y avait 2 conférences de presse. Peux-tu nous parler rapidement de ces points de presse d'hier? Ben, je te dirais, la grosse nouvelle, sincèrement, c'est les fêtes du 375e, qui vont avoir des activités spéciales dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste et du 23 au 26, je pense, juin. Et la grosse nouvelle, c'est Michel Pagliaro, qui va être à Montmagny. Écoute, c'est une légende du rock québécois. Moi, tu peux être certain que je vais être présent le 24 à la place Montel. Sauf que le monsieur est rendu à 73 ans. J'ai posé la question, est-il encore en forme? Moi, je me souviens, Michel, que tu m'avais raconté que tu avais été voir le grand chanteur français, mais il était quand même plus âgé. Là. Il est décédé, ça fait pas si longtemps que ça. Le nom m'échappe, là, celui qui chante désormais La Bohème. Charles Aznavour. Charles Aznavour, puis tu t'étais rendu compte qu'il était rendu quand même assez vieux, là, que c'était plus un jeune coq. Sauf ce qu'on me dit, des dires de Christian Noël, c'est que Pag est encore capable de faire la barbe à des jeunes. Ça a l'air qu'il est encore réellement en forme. Il a encore une excellente voix. Ça veut dire que je vais être présent le 24 à la place Montel pour écouter du Pag. Tu peux être certain. Écoute, j'ai vu le commentaire du journaliste de CMA-TV sur Facebook qui disait « Yeah! » Oui, absolument, parce que je l'ai vu, voilà 10 ans, au Cojac à Rivière-du-Loup, dans le temps que ça s'appelait encore le Cojac, c'était pas la petite grenouille, c'était super bon, Michel, super bon. Oui, bien écoute, il est encore en forme, 73 ans, c'est pas vieux non plus, là. Il est encore en forme, puis il a passé, je sais pas si c'est à Star Academy, mais récemment, on l'a vu à la télévision, et c'est sûr que son éternel succès, J'entends frapper. Moi, je veux dire, écoute, ça fait partie de mes années de radio. Au milieu des années 70, là où il était populaire avec Fou de toi, Rain Showers, je pourrais tous les nommer. Là. Michel Pagliaro a été tellement populaire. Il l'est encore, puis j'ai l'impression qu'il va attirer les foules ce 24 juin, là, au soir, pour la Saint-Jean-Baptiste, dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, mais aussi, je sais que ça fait partie des fêtes du 375e. Et pour ajouter sur Charles Aznavour, c'était au Centre Bell, José. Et c'est 2 ans avant qu'il meure. Il avait 92 ans. La seule chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'il avait ses cartons en avant de lui, probablement, pour se rappeler quelques mots de ses chansons. Parce que quand même, à 92 ans, là, et il bougeait sur la scène. Là, je me souviens, il était habillé avec un pantalon, avec des bretelles, là. En chemise blanche. Quel spectacle cet homme-là a donné, 92 ans. Donc, écoute, souviens-toi de Charles Trenet, Michel Louvain. Tu sais, il n'y a pas d'âge. Quand les gens sont en forme, là, ces gens-là vivent de ce métier-là. Alors, ce sont des passionnés. Oui, et voilà. Bon, c'est le bon mot. Michel Pagliaro fait partie de ceux-là. Il a 20 ans plus jeune, il a 73 ans. Du mouvement politique, ben, on vient de recevoir Marie-Ève. Tu étais là cette semaine à son lancement pour officialiser là, qu'elle se représenterait le 3 octobre prochain. Caroline Saint-Hilaire, qui fait jaser beaucoup, on en a parlé beaucoup cette semaine dans les différents médias du Québec, qui traverse à la CAQ parce qu'elle était au Bloc québécois auparavant. Il n'y aura pas de candidat caquiste officialisé dans le comté de Matane avant la prochaine élection. On sait que Matane est occupé par M. Bérubé. Exact. Oui, bien sûr. Écoute, on va commencer par Caroline Saint-Hilaire, là, qui a été également commentatrice à TVA La Joute, notamment dans divers médias nationaux, qui faisait quand même un bon travail, une bonne analyse. Je ne suis pas toujours d'accord, bien entendu, mais qui avait une certaine expérience politique. Elle a été également mairesse de Longueuil. Et là, elle traverse à la CAQ. Ça veut dire qu'elle abandonne son rêve indépendantiste. Et tu sais que c'est la femme de Maca Cotto qui a été députée du Parti québécois aussi. Et ça a fait réagir l'ancien député de la région bloquiste, Paul Craig, qui ne comprend pas le geste de Caroline Saint-Hilaire de passer d'un mouvement souverainiste à la CAQ, prétextant selon lui qu'elle se choisit une voiture de ministre plutôt que la cause de l'indépendance. Et également le fait que Mme Saint-Hilaire a critiqué longuement le troisième lien à Québec, alors que la CAQ est pour le troisième lien. Je ne sais pas comment
qu'elle va faire pour, pour tout ajuster ça, pour que ça ait un peu de sens là, quand même. Là, que tu as passé, je te dirais, un an ou deux à critiquer le troisième lien, que finalement, tu t'en vas dans, dans le parti où ce qu'ils ont, où ce qu'ils ont officialisé eux-mêmes le troisième lien, là, qu'ils ont fait des démarches pour le troisième lien. Ça reste à suivre, Michel, mais c'est quand même une bonne prise pour la coalition Avenir Québec, sans l'ombre d'un doute. Maintenant, concernant Pascal Bérubé, son, son comté, c'est parce qu'il y a des mauvaises langues qui disent que Pascal Bérubé va traverser à la CAQ avant le début des élections. J'en doute fortement. Écoute, ce serait vraiment mal vu, bien qu'il soit extrêmement populaire. Il est plus populaire que son parti dans son comté. Je veux dire, c'est lui qui amasse les plus grandes marges de... je te dirais, de succès pour le Parti québécois à la grandeur de la province. Là, il passe haut la main. Je pense qu'il passe encore plus fort ici que Bernard Généreux passe dans Côte-du-Sud, pour Côte-du-Sud, dans Montmagny-Lillet, Amoroska, Rivière-du-Loup. C'est juste pour te dire qu'il est extrêmement fort. Mais je pense pas qu'il traverse à la CAQ. Là. Et pourquoi la CAQ n'officialisera pas le candidat avant le déclenchement des élections? D'après moi, c'est aussi simple que ça va être un poteau. Moi, José, je dis toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ce serait épouvantable pour Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est chef du Parti québécois, s'il fallait que Pascal Bérubé traverse du côté de la CAQ. Oui, puis s'il le faisait de cette manière-là, il passerait directement pour un traître, je pense pas, sincèrement. D'après moi, il est plus habile que ça, à moins que ce soit réellement un carriériste, c'est pas possible. Écoute, on commence à le sentir que ça sent les élections, parce qu'on commence à en parler. On en a parlé tout à l'heure avec, Marie-Ève Proulx. Là, ça commence à s'officialiser. Là. On commence à voir de plus en plus là, les nominations, les gens qui vont se présenter. Ça va être intéressant à suivre cette année parce que le Parti conservateur du Québec est un joueur de plus. On me mentionnait tout à l'heure, Marie-Ève, et je m'en souvenais pas, mais c'est moi qui ai animé le débat il y a 4 ans. Et le Parti conservateur n'était pas représenté au débat, ça, je suis certain. Mais elle me disait qu'il y avait un candidat dans Côte-du-Sud il y a 4 ans. Oui, oh, mais c'était un poteau, puis il y en avait un autre aussi à l'élection précédente. Souviens-toi des pancartes rondes qu'il y avait installées un peu partout là, en Côte-du-Sud. Là. Je veux dire, ça n'avait pas été un succès. C'est Adrien Pouliot. Adrien Pouliot est un homme très sympathique et très brillant. En contrepartie, ça ne tirait pas du tout. Mais comme la députée sortante l'a dit, la pandémie a fait en sorte qu'il y a un nouveau mouvement qui est né de contestation. C'est le Parti conservateur du Québec avec en tête Éric Duhaime qui en a profité, Michel. Puis il l'a fait très habilement. Et ici, on le sait, là, ça va se jouer entre la coalition Avenir Québec et le Parti conservateur du Québec. Les libéraux, là, on peut pratiquement oublier ça. D'après moi, je pense qu'ils ont même de la difficulté à trouver des candidats. Puis pour le Parti québécois, ben, ça va sûrement être Michel Forgeant encore qui va aller au bat pour le Parti québécois. Mais le Parti québécois, dans le Côte-du-Sud, mis à part le Kamouraska, qui pourrait peut-être faire des gains lorsque le parti est très haut, Montmagny-Lillet, là, c'est pas un terreau fertile pour le Parti québécois. Alors, ça va être intéressant. D'ici au 3 octobre, là, on va suivre ça avec intérêt. Et Marie-Ève Proulx, qui nous disait tout à l'heure là, qu'elle va suivre aussi le dossier de médecine là, pour... vétérinaire. Peu, que je vous dise exactement ce qu'il y en est, là, du pavillon de médecine vétérinaire décentralisé de Lucar. Donc, il semblerait qu'on va y avoir des annonces prochainement, puis elle nous a dit qu'elle viendrait nous en parler. Merci, José. Vite fait, Michel, vite fait. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a rencontré Gary Bettman. Écoute, là, les Coyotes de Phoenix, ils ont une aréna qui est à peu près grosse comme le Colisée à Rimouski. Je pense qu'on on peut peut-être penser que c'est pas impossible le retour des Nordiques. J'en doute, mais quand même, ça semble être dans la bonne direction, du moins jusqu'à maintenant. Et rapidement, Christian Dubé, qui est officialisé, qui se représentera le 3 octobre, le ministre de la exact. Santé. Merci, José. Bon week-end. On se retrouve mardi matin. Bonne fin de semaine. On retrouve pour mardi. Ben, j'ai plus le temps. Alors, bon week-end à mardi.